ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Choisi, Vierge bénie, le Seigneur exulte pour toi. Bienheureuse es-tu, Vierge Marie. Tu as porté le Créateur de l'univers. Tu as mis au monde en celui qui t'a faite. Et tu demeures toujours vierge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Très cher diacre, chères religieuses, chers internautes, frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bonjour, mon Père. Plusieurs événements nous rassemblent ce matin. Tout d'abord, nous sommes rassemblés en Église pour célébrer l'Eucharistie, pour dire merci au Seigneur pour tant de bienfaits dont nous sommes bénéficiaires. Ensuite, nous sommes rassemblés pour vénérer la Vierge Marie, notre maman du ciel. Et enfin, aujourd'hui, c'est l'ouverture du trentaine au Saint-Archange, Michel, Raphaël et Gabriel. Mes frères, mes sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse. À Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Grand maître, pitié pour nous.
le Seigneur. Dieu de miséricorde, viens au secours de notre faiblesse. Puisque nous faisons mémoire de la très sainte mère de Dieu, fais que, soutenu par son intercession, nous soyons relevés de nos péchés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 1, les versets 26 à 31. Frères, vous qui avez appelé par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Méditons ensemble dans le psaume 32. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Ensemble, heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit la race des hommes. Ensemble, heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Ensemble, heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui, notre confiance est dans son nom très saint. Ensemble, heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Acclamation. Alléluia. 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 Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 25, du verset 14 au verset 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent. » Et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore. Et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Alléluia, 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 Alléluia. Frère Maxime, j'ai dit dans le commencement de la célébration, il y a plusieurs événements qui permettent que nous rassembler là matin. Tout d'abord, nous avons célébré l'Eucharistie, qui est source et sommet de toute vie chrétienne. Ensuite, jeudi à ce samedi, c'est le jour qui est consacré à la Vierge Marie.
notre maman du ciel. Et enfin, je dis à c'est l'ouverture. Trentaine noms au Saint-Jacques-Ange, Michel, Raphaël, Gabriel. Michel, Raphaël, Gabriel. Et chaque archange, ça, eux-mêmes, ils ont une mission bien déterminée. Michel, c'est défenseur. Gorel, non, c'est les cap bataille pour nous. C'est les nous remettre combat, nous. Gabriel, c'est envoyer nous. C'est là qui est pour votre commission. Eh bien, pour nous, c'est envoyer. C'est missionnaire. Et enfin, Raphaël, c'est guérisseur. Et en pile là, nous là, nous avons besoin d'intercéder Raphaël parce que nous avons une maladie qui a rongé le cœur, nous avons une maladie qui a saccagé la vie. Non. Frères et sœurs, dans l'évangile aujourd'hui, Jésus lui-même lui raconte une parabole talent. Ces talents symbolisent les qualités personnelles que nous avons reçues et les responsabilités qui nous ont été confiées. Nos familles, nos voisins, les gens avec qui nous vivons, notre monde et notre environnement. Parabole ça mettait en évidence la gestion de l'absence du maître. Mettre la partie, l'aller en voyage. Ce voyage représente le temps qui s'écoule entre l'ascension de Jésus et son retour. Durant ce temps d'absence apparente, chacun serviteur doit employer activement les dons qui lui ont été confiés parce que le maître reviendra pour évaluer la fidélité de chacun par la qualité de son service. C'est un maître respectueux. Il donne chacun selon ses capacités. En premier lieu, l'absence apparente est un temps de responsabilité. Dieu donne des dons à tous. Dieu attend quelque chose de nous. En deuxième lieu, l'absence apparente est un lieu d'épreuve. Si nous vivons dans les petites choses, Dieu nous confiera des responsabilités plus grandes. En troisième lieu, l'absence apparente est un temps de confiance. D'abord, c'est un maître qui fait nous confiance parce qu'il confie nous bien lieu. La relation de confiance détermine leur motivation dans leur gestion des biens. À travers cette parabole, mes frères et mes sœurs, Jésus nous dit que la confiance que nous mettons en Dieu est le moyen le plus sûr pour que nous puissions réussir notre vie. Si vous manquez de confiance, vous manquez d'avenir. Cette parabole est une histoire de confiance. Mes frères, mes sœurs, pour terminer, j'aimerais attirer votre attention sur la faute du troisième serviteur. Sur qui repose la pointe de la parabole est d'avoir peur. Néglatez-si tellement paix, l'alcérer pièce l'argent. Olier lui fait le travail. La pérèse fait nous cacher dans un coin. Le troisième serviteur a été incapable d'apprécier la confiance et l'estime que le maître avait à son égard. Si je nomme ça, il était intelligent. Olier pour le mettre comme la embattait, eh bien, il était la banque de préférence parce que la banque tabale 0,01 centime. C'est pour montrer le tap gain, un petit bénéfice. Eh bien, quand même, le serpent, le tentateur, nous fait toujours reprendre Dieu pour ce qu'il n'est pas. Un Dieu jaloux, un Dieu perfide qui aurait peur de perdre son emprise sur les hommes. Au linge nommant, les dit, maître, ou ramasser côté ou pas de cimet. La pérèse fait parler avec un pile arrogance et mettre en propriétaire. Notre seul véritable péché est d'avoir peur de Dieu. La peur est mauvaise conseillère. Elle nous pousse à nous mentir à nous-mêmes, à user des prétextes fallacieux pour ne pas entreprendre ce que nous voulons. Mais la peur
est une mauvaise conseillère, elle engendre des réflexes de méfiance. N'oubliez pas que la peur détruit la joie de vivre. Elle nous empêche de poser des actes constructifs. La paresse bloque nous. La peur mène à la haine. La peur est diabolique. Vivre dans la peur, c'est être à moitié vivant. La peur s'oppose à la manifestation de nos qualités. La peur rend faible et le courage rend fort. Souvent, mes frères et mes sœurs, la peur d'un mal nous conduit dans un pire, disait Boileau. La peur est l'envers de la foi. Autant la foi construit des relations multiples, autant la peur les brise. Mes frères, mes sœurs, notre vocation, notre mission est de donner en tout temps et en tout lieu de bons résultats dans la gestion des affaires, la gestion de notre propre vie, la gestion des biens de l'Église et du monde. Oui, nous sommes capables de faire fructifier nos talents, nos dons. Dieu a confiance en nous. Sortons donc de notre paresse, de notre paralysie, de notre peur pour faire un preuve de créativité en attendant le retour du Christ, le jugement dernier. Comme le chante le psalmiste, marchons selon les voies du Seigneur, heureux sommes-nous, à nous le bonheur. Qu'il nous soit donné être toujours de bons intendants, de bons gérants, de biens qui nous sont confiés. Et pour terminer, disons ensemble cette belle prière. Seigneur Jésus, ensemble. Tu nous fais confiance et tu nous donnes des talents à faire fructifier. Aide-moi à sortir de ma paresse, de ma paralysie, de ma peur, pour faire preuve de créativité et pour produire selon mes capacités. Toi qui viserais avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Mes frères, mes sœurs, mettons-nous debout pour prier le Seigneur à travers l'étanie de Saint-Michel en Archange. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui est Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, Reine des anges, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Saint Gabriel Archange, priez pour nous. Saint Raphaël Archange, priez pour nous. Esprit bienheureux des neuf cœurs des anges, priez pour nous. Saint Michel, héros du Christ roi et de la Reine du monde, priez pour nous. Saint Michel, miroir de l'humilité, priez pour Saint Michel, terreur des démons, priez pour Saint Michel, protecteur et défenseur du Saint Sacrifice de la messe, priez pour Saint Michel, rempli de la sagesse de Dieu, priez pour Saint Michel, parfait adorateur du Verbe divin, priez pour Saint Michel, couronné d'honneur et de gloire, priez pour Saint Michel, très puissant prince des armées du Seigneur, priez pour Saint Michel, porte-étendard de la très sainte Trinité, priez
Saint-Michel, gardien du paradis. Priez pour vous. Saint-Michel, guide et consolateur du peuple d'Israël. Priez pour vous. Saint-Michel, splendeur et forteresse de l'église militante. Priez pour vous. Saint-Michel, lumière des anges. Priez pour vous. Saint-Michel, rempart des orthodoxes. Priez pour vous. Saint-Michel, force de ceux qui combattent sous l'étendard de la croix. Priez pour vous. Saint-Michel, lien de la charité fraternelle. Priez pour vous. Saint-Michel, lumière et confiance en des âmes au dernier terme de la vie. Priez pour vous. Saint-Michel, secours très assuré. Priez pour vous. Saint-Michel, notre aide dans toutes nos adversités. Priez pour vous. Saint-Michel, héros de la sentence éternelle. Priez pour nous. Saint-Michel, consolateur des âmes retenues dans les flammes du purgatoire. Priez pour nous. Saint-Michel, que le Seigneur a chargé de recevoir les âmes après la mort. Priez pour nous. Esprit bienheureux des neuf cœurs des anges. Priez pour nous. Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ayez pitié de nous, Seigneur. Jésus-Christ. Écoutez-nous. Jésus-Christ. Exaucez-nous. Priez pour nous, ô glorieux Saint-Michel, prince de l'Église de Jésus-Christ. Afin que nous puissions être dignes de ses promesses. Priez pour nous, Saint Gabriel Archange. Afin que nous devenions de vrais apôtres de Notre-Dame. Priez pour nous, Saint Raphaël, notre guide. Afin que nous soyons fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Oremus. Seigneur Jésus, sanctifiez-nous par une bénédiction toujours nouvelle et accordez-nous par l'intercession de Saint-Michel cette sagesse qui nous enseigne à amasser des trésors dans le ciel et à échanger les biens du temps contre ceux de l'éternité. Vous qui vivez, régnez dans les siècles des siècles, amen. Ainsi soit-il. Frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En rendant hommage à la mère de ton fils, Seigneur, nous te supplions que le sacrifice offert en ce jour consacré à la Vierge en fasse de nous, par le don de ta grâce, une éternelle offrande à ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce en toujours et en tout lieu. Seigneur, grand Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre et gardant pour toujours la gloire de sa virginité. Elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. Alors, hymne de louange, laisse jouer nos voix pour chanter et proclamer. Vraiment saint, toi qui es la source de toute enseignement, Seigneur, quand nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles en ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, et il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. «
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Monseigneur Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur André Lenon et Romain Lélène, Bogdo Salène, Kadomi Point du Jour, Kaolina Numa, Dana Kade, Simonis, Georges, Keifer Raphaël, Germaine Sylvain, Guimi Jean, Ingénieur Shakir Louis S, Lenu Chris Roberto, Marie-Laude Jean-Baptiste, Mirlande, Ménagère Grand-Pierre, Nicolas Allan, Joseph, Pauline, Despochette, Ralph, Elie. Nous implorons ta bonté sur Rose, Marie-Raymond, Emma Deno, Rose Venante, Astrid Roland, Saint-Hilien Junior, Victoria Souffrant-Evenet. Nous implorons ta bonté sur tous ceux et celles qui sont présents à la dite Eucharistie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec un Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges. Nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons apprise du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, qui donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise dans cette bienheureuse espérance l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Du monde.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureux en sommes-nous les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Chasser la nuit et soudain tout
s'installe le doute. Et je tourne de moi et des autres et le tout. Mais déjà ton amour me rejoint sur la route. Et mon cœur est brûlant, je me remets debout. Encore le Seigneur, tu nous as fait participer à la rédemption éternelle et nous te prions, Seigneur, alors que nous faisons mémoire de la mère de ton Fils, comble-nous de la plénitude de ta grâce et fais-nous éprouver toujours davantage les effets du salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Comme j'aime te annoncer, nous avons trentaine aux saints archanges, Michel, Raphaël, Gabriel. Et c'est dans l'objectif ça, nous allons faire la prière aux saints archanges. Nous allons aller dans page 13 à 14 dans le livre qui est dans mes noix. N'a pas version créole là, en bas net. Ensemble, en nous la prière. Ô grand Saint-Michel Archange, au même qui remplit avec sagesse bon Dieu, qui fort dans tout combat, vini porter nous secours, soutenir nous difficultés, dans épreuve nous yo, consoler nous les nappes souffrir. Tant qu'on les n'a crié, bon nous force à courage pour en rien pas faire non désespérer, ni douter des présences bon Dieu dans la vie non. Saint Michel Archange, défends-nous, protégez-nous contre toute force mal. Saint Michel Archange, défends-nous, protégez-nous contre tout ennemi visible et invisible. Nous remettre nous tout combat nous yo dans main on. Pour un petit moment de silence, présenter Saint-Michel combat ou bataille qu'on va mener. Saint-Gabriel Archange, au même qui s'efforce avec messager bon Dieu, portez-nous secours, campez avec nous, pour nous capables de faire force. Et avec force bon Dieu. Camper avec nous pour toute vie et force, rester loin nous. Fais-nous remplir avec force bon Dieu pour nous arriver à remporter la victoire sur toute force mal. Camper avec nous pour nous toujours dire bon Dieu oui. Même Jean, la Vierge Marie t'a dit bon Dieu oui. L'heure où t'a annoncé la naissance sauver nous, Jésus-Christ. À travers vous-même, nous voulons confier bon Dieu. Toute la vie, non. Un petit moment de silence. Saint Raphaël Archange, au même qui compte faire guérison, n'a pas supplié pour guérir nous ensemble, avec tout le monde qui est malade dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit. N'a pas présenté quand tout le monde qui est malade dans la famille, non. À quand tout l'autre monde qui comptait sur la prière nous accepter. Couvrez-nous en bas-zèle pour aucune maladie ne fasse nous paix. Mais pour nous toujours faire bon Dieu confiance, lui-même qui a tout pouvoir, guérir toute maladie et toute infirmité. Un petit moment, silence, dans la fin de notre cœur.
supplication à Saint-Michel-Archange. Saint-Michel-Archange. Défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous vous le demandons en suppliant. Et vos princes de la milice céleste, repoussés en enfer par la vertu divine. Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes, ainsi soit-il. Kounia, nous font Tichita, nous passons dans la rubrique anniversaire de mariage et de naissance. Nous avons souhaité joyeux anniversaire de mariage à M. André Léon et Mme Lélène Romain. Nous avons souhaité joyeux anniversaire de naissance à Bordeaux Salène, membre de la chorale Sainte Famille, technicienne de la paroisse. Nous avons souhaité joyeux anniversaire de naissance à Kadomi Point du Jour, Caroline Numa, Dana Cadet Simonis, Georges Keifer. Raphaël, on a souhaité joyeux anniversaire de naissance à Germaine Sylvain, et Guimi Jean, ingénieur Shakir Louis S, l'aîné Chris Roberto. On a souhaité joyeux anniversaire de naissance à Marie-Lourde Jean-Baptiste, Myrlande Ménagère Pierre, Nicolas Alland Joseph. On a souhaité joyeux anniversaire de naissance à Pauline Despochettes, Ralph Elie, Rosemary Raymond M. Deno, Rosa Venante Astrid Roland. On a souhaité joyeux anniversaire de naissance à Saint-Hilien Junior. On a souhaité joyeux anniversaire de naissance à Victoria Souffrant Thévenet. Et on a dit joyeux anniversaire de naissance à tout le monde qui a célébré un anniversaire qui a assemblé. Mais tout le monde a dit joyeux anniversaire à tout le monde qui a célébré un anniversaire quelconque. Monde qui l'a, et monde qui a suivi Messlan via YouTube et Facebook. Et monde qui a assemblé à demandé pour avancer un devant pour nous la prière pour vous et puis bénir vous. Tonton, merci à nous toutes, à nous chaque. Invitez-nous à camper et puis ranger comme nous pour nous recevoir bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint,
descendre sur vous et y demeure à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ou gen pile talent. Papé, mettez fait talent au travail pour dans dernier jour, bon Dieu va récompenser. Sainte journée avec nous toutes, avec nous chaque. Merci mon père, à vous de même. Merci. Souple.